Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petit instant news. AJ Styles a parlé dans un de ses streams Twitch du nouveau mandat de la WWE pour contrôler les comptes de ses superstars. AJ Styles a dit: Personne ne gagne des millions sur Twitch. Nous ne sommes pas des joueurs professionnels, ce n'est pas ce qui se passe. J'ai le sentiment que pour nous, c'est l'occasion de faire ce que nous aimons, jouer à des jeux vidéo et interagir avec nos fans. C'est une chance d'apprécier que vous nous appréciez, c'est essentiellement ce qui se passe. Surtout avec ce qui se passe dans le monde, nous ne pouvons plus vous voir, sauf si vous êtes sur l'écran vidéo du Thunderdome. Nous ne pouvons pas vous voir ni vous parler. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent en tirer. La communication n'a pas été aussi bonne que nous le souhaiterions. Nous sommes nombreux à être sur la même longueur d'onde. J'ai le sentiment que c'est pour moi et ma chaîne une opportunité de dire et de démystifier certaines rumeurs stupides qui circulent. Alors voilà les gens, c'est le retour de AJ Styles sur un de ses streams Twitch sur la décision qu'a pris la WWE de leur demander aux catcheurs de retirer tous leurs comptes Switch et Cameo, etc. Pour en savoir plus, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et donc voilà, AJ Styles en a fait un retour. Je pensais que c'était un bon retour parce qu'effectivement, il a raison. Il n'y a plus d'interaction entre les catcheurs et les fans. Et au moins, eh ben, ça permet de les voir un petit peu plus et les voir en plus en dehors un peu de la WWE. Et c'est vraiment très intéressant parce que nous, les fans, on adore tout simplement les voir jouer aux jeux vidéo, etc. Ça nous propose des choses différentes et ça nous rapproche en plus de nos catcheurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a certains catcheurs que vous suivez sur Twitch par exemple ou même sur YouTube. Et voilà, n'hésitez pas à discuter entre vous, à vous donner des bonnes idées. Par exemple, c'est pas WWE, mais par exemple, il y a Miro qui fait des trucs relativement sympas. Il y a donc forcément AJ Styles aussi. Enfin bref, ils sont nombreux. Donc voilà, si vous en avez des préférés, n'hésitez pas à le dire, c'est toujours sympa. Pendant qu'ils puissent encore le faire, mais je pense qu'ils pourront le faire encore un petit moment. Et donc voilà, moi je voulais vous donner ce retour d'AJ Styles parce que je pensais que tout simplement ce qu'il a dit c'était vraiment intéressant et moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Donc voilà, en plus avec l'argent qui touche à WWE, je pense pas que ce qui leur intéresse le plus avec Twitch, etc., ça soit l'argent. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais moi du moins, c'est ce que je pense. Donc voilà, moi je pense surtout que c'est pour qu'il y ait un partage entre les fans et les catcheurs, et je pense qu'en plus tout le monde s'y retrouve. Donc si la WWE arrive à enlever ça, ça serait vraiment dommage. Mais vu comment les catcheurs réagissent, je pense pas que ça soit fait. En tout cas voilà, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc voilà, petite information, du coup j'en profite. Mon compte Twitch à moi, c'est JAK Universe, comme presque comme le nom de ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre, il n'y a pas de souci les gens. Et sinon, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Il y aura également 2-3 petits lives sur cette chaîne YouTube. Et voilà les gens, n'hésitez pas également à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très vite. À bientôt les gens, salut!